Bon, aujourd'hui, émission spéciale, encore maintenant, par là. Hop, c'est bien, là, on se met là, merci. Salut, vous. Non, on se prépare gentiment, on se remaquille, hop, on se poudre. Hop, allez, c'est parti, on y va. Alors, on n'est jamais prête, hein, ça sointe. Salut les petits reporters. Bon, alors aujourd'hui, on est à Angkor Wat, qui est le temple le plus grand et le mieux... conservé, elle veut dire. Le mieux conservé, c'est ça. Donc, on va vous emmener faire un petit tour. C'est magnifique, c'est de toute beauté. Et voilà. Tu connais beaucoup de présentatrices qui ne regardent pas la caméra, qui regardent... Oh, ça va, je suis pas Claire Chazal. Si, t'es un peu Claire Chazal, normalement. N'oublie pas que t'as un public de fans. Oui, mais moi, quand j'ai pas de pupitre, je sais mettre comme il faut. Et puis, mon prompteur déconne. Je te rappelle que t'as des filles qui jouent à toi, quoi. Oui, je sais, mais là, en ce moment, j'ai un problème avec mon prompteur. Il a bon dos, le prompteur. J'aimerais bien chevaucher cette moto un jour. Aujourd'hui, les tirs à bord, vous avez de la chance. Ouais, on a du ciel bleu, il y a 2 cm carrés de ciel bleu. Jamais content. Allez, salut. Bon, alors, Angkor Wat. Angkor Wat qui signifie le temple et la cité. Donc, nous sommes dans cette merveille d'architecture, une des plus grosses qui puisse exister dans tout le monde entier. Alors, les petites tours, vous vous demandez justement ce qu'elles font là, hein? Bon, c'est l'heure de la minute culturelle, vous l'avez compris. Donc, la grande tour, celle qui est au milieu, représente le mont Meru. Le mont Meru qui est... Bah oui, vous le savez pas, bien évidemment. La demeure des dieux? Exactement. Dans la religion hindouiste? Exactement. Bon, ensuite, vous avez les autres petites tours qui représentent les monts qui sont autour de cette montagne sacrée. Vous avez ensuite les cours intérieures, qui correspondent aux continents et les douves aux océans, ainsi que le Naga ouais. Exactement à 7 têtes, qui correspond à l'arc-en-ciel qui vous fait monter vers les dieux. Donc vous l'aurez compris, Angkor Wat est une réplique de l'univers, tout simplement. Alors les petits rapporteurs, c'était une vaste investigation, pardon. C'est vrai, je suis un peu secoué là, c'est un peu bizarre. On va faire une découverte. En fait, tout ce qu'on vous raconte, c'est de la merde. Surtout, ne croyez pas. Ne venez surtout pas encore. C'est une fumisterie. Ah, mais c'est encore de la fumisterie. Mmh. Non mais après les casaques jaunes, rouges et bleus, vous venez de s'apercevoir que ça, pas du tout de la pierre. C'est du travail de merde. C'est fait. Et en fait, c'est des plaques de stuc. Regardez, c'est de la merde. Ça doit être fait à l'usine. Franchement, on est un peu écœuré là, on a envie de vomir. C'est fait à l'usine. Je suis sûr que c'est fait au Pérou-sur-Marne. Pourquoi le Pérou-sur-Marne? Il y a une usine de. Oui, je suis sûr que c'est fait au Pérou-sur-Marne. N'importe qui avec une bonne imprimante 3D, c'est capable de faire la même chose. Regardez-moi ça, oui, franchement. Je pense que Valérie Damido, elle a fait la même chose pour beaucoup d'appartements. En plus, franchement, niveau détail, c'est vraiment pas ça. Non, c'est pas hyper précis. Là, regarde, il y a des coups de crayon partout. Enfin, n'importe quoi. Là, ça va très bien. Hein. On travaille, hop. On en a marre, on est fatigué, hop. Si ça, c'est pas du travail d'arabe, moi, je m'y connais pas. Non, pas ça. Ça peut être mon interprétation. C'est pour Myriam.
Et là, c'est mal carré, ça. C'est pour un Portugais qui avait ça. C'est incroyable. On est vraiment dégoûté. Hein. Je vous montre Caroline parce qu'elle est écœurée aussi. Mais par contre, attention, elle est vraiment triste en fait. Donc, Non, c'est pas ça. C'est une merde. Oh, salut à toi, Kalida. Alors ça, c'est d'origine aussi. Hein. C'est pour ça qu'elle est si poussiéreuse et dégueulasse. C'est vrai que ça fait plaisir. Yeah, it's good. Thank you. Where do you from? India. Yeah, but where in India? France. Bon, les petits rapporteurs, on vient de se faire une petite pause indienne. On vient de rencontrer une famille indienne et qui est de Chennai et qui ont une maison à Pondichéry aussi. Et du coup, on a vachement parlé, c'était hyper cool. Et ils nous ont invités chez eux, donc on a une nouvelle famille d'accueil. Une famille. Quand on va, on a une nouvelle famille. On les adore. Ça fait du bien. Ils nous ont manqué, nos Indiens. Yeah, yeah. This next song right here is definitely inspired by two friends of mine. A couple of cats, Jamie Foxx and Lamont. I gotta tell you, man, you're definitely the inspiration behind this one. I see how you do everything, man, how you treat your women, and how faithful you are to them. And man, I didn't know what to do when I saw it. I was like, yo. Bon, les petits rapporteurs, c'est quand même pas mal, quoi. Ça gagne pas trois patins à un canard, certes, mais c'est quand même pas mal. C'est du stup, quoi. Mais c'est du joli stup. Thank you.
rend.